c'est dans la boîte. Bonjour, je m'appelle Mickaël Poirier, j'ai 41 ans et je suis responsable unité inspection au sein du groupe APAV. Avant la formation, j'ai une formation initiale en fait dans le domaine de la qualité et j'ai rejoint le groupe APAV il y a 10 ans en tant que chargé d'affaires commercial. À l'issue de ces 10 ans d'expérience donc dans la filière commerciale, j'ai souhaité redynamiser ma carrière en rejoignant le volet opérationnel, donc production et technique et management des organisations. Alors, l'une des principales difficultés venait de mon parcours où je n'avais pas la formation initiale en corrélation avec le diplôme visé. Toutefois, je dirais l'investissement que l'on peut donner et la force de la cohésion de promo permet donc d'aller jusqu'au bout de la formation et de réussir ce challenge. Le choix de l'ICAM était un choix judicieux dans la mesure où il me permettait d'acquérir des connaissances généralistes techniques correspondant à mon entreprise et de développer mes compétences en matière de management, de gestion de projet, de communication et de pouvoir maintenir mon activité professionnelle et suivre la formation dans la même période. Alors, à l'issue du diplôme, la formation m'a permis effectivement d'évoluer au sein de l'entreprise en prenant mon poste que j'occupe aujourd'hui de responsable d'unité inspection. Donc d'opérer une fonction d'encadrement, de gestion d'un service et de relations clients pour la continuité de l'activité. Ce que je retiens de cette formation ICAM, ce sont les échanges avec les autres membres de la promo. Je dirais, on est vraiment au sein d'un groupe avec les mêmes contraintes, les mêmes problématiques. Et c'est cette énergie qui permet aussi d'avancer et de se maintenir au quotidien dans la formation. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de lier avant tout des liens avec les autres membres de la promo. Encore une fois, vous êtes dans le même bateau, dans le même navire. Et je dirais, c'est important de pouvoir lier des liens et de s'entraider. C'est ça que vous puiserez cette énergie avec les autres pour pouvoir réussir cette formation et le challenge que vous livrez.